contrôle sa jambe ici. Donc là, il va falloir que je vais volontairement me mettre sur le dos. Pourquoi? Pour changer mon crochet. Si, regarde, là, je contrôle avec ma jambe droite. Là, je vais contrôler avec ma jambe gauche. Ok, je contrôle. Et là, ma jambe droite, ce qu'elle va faire, elle va venir sur le pied. Et là, je vais contrôler ici. Ok. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vais juste tendre mes jambes. Tendre mes jambes. Là, ce qui se passe, c'est que je contrôle sa jambe, elle est tendue. Du coup, regardez ce que je peux faire. Le tour de magie que je peux faire, c'est je vais ramener mes genoux vers moi et pousser là. Du coup, je peux revenir ici. D'accord? Et là, on se retrouve dans la position dans laquelle on était juste avant. Ok? Donc, le petit lockdown, il est un peu galère. Moi, j'avoue, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment bloquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, vous contrôlez avec cette jambe-là. Et là, au départ, vous allez contrôler avec celle-là. D'accord? Vous allez changer. Et la jambe initiale, elle passe sous le pied. Et là, vous allez tendre. Alors, du coup, on est là. Crossface. Boum, boum. Je suis là, on a une grosse pression sur le haut du corps. Là, mon haut du corps, je ne peux pas le bouger. Donc, je me mets un peu sur le dos. Je change. Je contrôle ici. Et ma jambe gauche, elle vient ici. Ok? Là, ce que je fais, je le tends. Il est en tension. Là, il n'aime pas. Je vais ramener mes genoux et lever mes hanches. Regardez, boum. Et je peux me replacer ici. Ok? Là, on est sur la même position qu'on avait précédemment. Je lève les hanches lourdes. Et là, j'ai passé la garde. C'est bon pour vous? 1, 2. Stop, 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 stop. Ça peut plus durer, mon ami. T'en as pas marre? Depuis tout ce temps là où tu fais du grappling, tu galères encore, tu sais, avec tes saisies de JJB, tu trouves pas, tu sais pas les où mettre tu perds tes grips du haut du corps, tu te fais passer la garde trop facilement, tu as des problèmes pour gérer la distance, le poids, la vitesse de tes adversaires, tu vois. Non, en fait, c'est simple, il y a des solutions très très simples. Moi, ça fait 15 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien, que je fais du grappling, et j'ai compilé tout ça dans un petit programme Ultimate Nogi, les bases et les fondamentaux du Nogi, pour enfin combattre, relâcher, zen, sûr de toi, tu vois. Donc là, tu peux, je te fais voir la navigation, il y a même du combat debout, etc. Tiens, je vais cliquer là-dessus pour que tu vois un petit peu ce qui se passe, comment c'est construit. Voilà, navigation par chapitre, tu choisis où tu veux aller, etc. etc. Je te mets le lien dans la description pour avoir plus de détails sur le programme Ultimate Nogi, disponible seulement 7 jours. Allez, je t'embrasse mon ami, ciao.